Bon, écoutez, s'il y a refoulement, c'est qu'il y a dépression. Bon, Freud n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que le refoulement provenait de la répression. La censure, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Il n'a pas dit que, prenons ça pour faire image, n'est-ce pas, que la castration, ce soit dû à papa qui brandisse à son moutard, qui se tripote un peu, n'est-ce pas. On te la coupera, sûr, si tu remets ça. C'est pourtant naturel que ça lui soit venu à la pensée, à Freud. Mais il n'a fait qu'en partir pour l'expérience à entendre de ce qu'il a défini dans le discours analytique. Je dirais même qu'à mesure qu'il y avançait, il penchait plus vers l'idée que le refoulement était premier. C'est dans l'ensemble la bascule heureuse, celle-là de la seconde topique. La gourmandise dont il dénote le surmoi est structurale. Non pas effet de la civilisation, mais malaise, symptôme dans la civilisation. De sorte qu'il y a lieu de revenir sur l'épreuve à partir de ce que ce soit le refoulement qui produise la répression. Thank you.